Greg MMA l'a fait, victoire en moins de 15 secondes pour Greg MMA pour son grand retour après 17 ans d'absence. Il fallait le faire, il l'a fait. On va décrypter tout ça ensemble. Évidemment, il y aura d'autres performances de sa part parce que après 15 secondes, forcément, il a montré qu'il en avait encore sous le pied. Il a montré qu'il avait toujours faim et surtout qu'il avait envie d'entamer ce dernier baroud d'honneur. Donc voilà, c'était un petit apéritif avant ce qui va arriver selon toute vraisemblance pour la fin d'année pour Greg MMA. En tout cas, chapeau, un retour réussi, générique. Swear. Swear. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un chaos? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. Greg MMA, donc vous le savez sans doute, avant d'être youtubeur, il était combattant professionnel. À 45 ans, là, il faisait son retour. On l'avait dit avec Big Rusty. Clairement, il n'était pas contre un foudre de guerre. En même temps, je suis en même temps en train de regarder les stats précises, mais voilà, 17 ans sans combattre en professionnel, il y a toute une différence entre faire les vidéos que fait Greg, qui sont certes intenses, mais bien loin du niveau professionnel, et ce qu'il a dans un combat, dans un véritable combat de MMA. Donc forcément, il fallait une mise en bouche qui pour lui allait être assez tranquille avant, je l'espère moi personnellement, des gros chocs pour lui à venir. Et donc là, pour Greg MMA, c'est selon toute vraisemblance ce qui s'est passé. Ils lui ont mis donc Lo Cicero, un combattant qui était... Personnellement, je trouve que voilà, c'était parfait pour que Greg puisse faire ses débuts. Forcément, il n'allait pas représenter une très grande, on va dire, adversité pour Greg MMA. Greg MMA qui était un bilan de 5-4 depuis, donc voilà, il y a eu du temps qui s'est passé, j'ai dit 17 ans. Donc il affrontait Lo Cicero, Lo Cicero qui est vraiment un journeyman, qui avait un bilan de 4-4 avant le jour du combat, et donc là maintenant qui passe à 4-5. Il est sur une série, je crois, de 4 défaites consécutives. Ouais, c'est ça, 4 défaites consécutives, qui a fait de la prison. Qu'il faut aussi du calcio florentin, enfin voilà, c'est vraiment une mise en bouche pour Greg MMA. Je le rappelle, il a 45 piges, hein, donc et il a pas d'ambition Greg pour aller à l'UFC, enfin faut comprendre ça aussi. Aujourd'hui il combat pour se faire plaisir, et évidemment l'Hexagone MMA, et peu importe l'organisation dans laquelle il est signé Greg, mais vous allez pas le mettre contre un tueur pour son tout premier combat de MMA après 17 ans et à son âge. Donc là, il a vraiment fait le taf, et plus que fait le taf. En gros, ce qui s'est passé, il y a eu deux jabs. Je crois qu'il y en a un qui touche, puis le cross du bras arrière, donc du droit, pour Greg MMA, qui a véritablement séché son adversaire. Et directement, Greg MMA qui a suivi en ground and pound. L'arbitre a laissé un petit peu de temps à Lo Cicero, l'italien, de se relever, en tout cas de montrer quelques signes de vie, mais clairement il n'était plus là. Et donc, très justement, l'arbitre a arrêté le combat. Donc voilà, Greg MMA finalement... On n'aura pas vu grand chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il était en forme, mais ça c'était un secret pour personne, parce que si vous regardez ses vidéos, bah oui, Greg est en forme physique assez impressionnante. Voilà, il était très content, en tout cas il était content, soulagé. C'est vrai qu'on a pu voir la différence entre le visage extrêmement fermé à ses débuts, même l'interview, je sais pas si vous l'avez vu, avec Rust, où on sentait quelqu'un qui avait conscience des enjeux pour ce combat, de la différence entre ce qu'il fait dans ses vidéos et ce qu'il allait avoir là. Et puis on sentait des sales intentions de la part de Greg. Donc voilà, ce qu'il a dit ensuite au micro de RMC, c'est qu'il aurait voulu combattre un petit peu plus longtemps, et il a expliqué voilà, qu'il avait bien travaillé son cross du bras arrière et que ça a payé. Puis il y a eu un petit mot pour sa femme, donc voilà, et puis à ses sponsors, et puis pour la suite de Greg MMA, c'est simple. Un retour, selon toute vraisemblance, avant la fin d'année à Hexagone MMA, puisque je rappelle qu'il a signé dans l'organisation pour un contrat de plusieurs combats. Donc voilà, belle mise en bouche pour Greg MMA. Moi aussi, je suis peut-être un petit peu déçu que ça ait... Et encore que j'ai envie de vous dire, parce que toute proportion gardée, je ne compare pas ce qui n'est pas comparable, mais ce que je veux dire, comme Tibora contre Aspinall, où il y a clairement quelqu'un qui est favori, la Greg contre aussi, il fallait qu'il lui roule dessus. Vraiment, il fallait qu'il lui roule dessus, parce que si le combat allait un peu s'éterniser, vous aviez le côté un peu, comme regardez Diego Sanchez contre Kevin Lee au Legal FC, l'organisation de Khabib. Quand l'organisation organise ce combat-là, je pense que vous tous qui connaissez les forces en présence, on se disait Kevin Lee va rouler sur Diego Sanchez. Bah finalement, Diego
Thiago Sanchez a été à la décision contre Kevin Lee, et là on se dit tous ouh, mais Kevin Lee, est-ce que c'est pas la fin, est-ce qu'il aurait pas mieux fait de s'arrêter? Là il est revenu à l'UFC depuis, il s'est fait étrangler, et donc il a pris sa retraite. Là pareil pour Greg Hemma, il est contre un adversaire qui a son âge, enfin qui a un an de plus que lui. Il a physiquement tous les avantages. C'est un gars qui, selon toute vraisemblance, n'a pas fait de cutting pour être au poids, parce que c'était un poids intermédiaire. Ils étaient en catchweight, donc pas en moins de 84 kilos, la catégorie middleweight officielle, ni en moins de 93, la catégorie light heavyweight officielle, mais à moins de 90 kilos. Il avait pas l'air d'avoir cuté le gars. Donc voilà, Greg avait tout de son côté pour l'affronter. En plus, un gars qui est plutôt un journeyman. Donc quand je dis un journeyman, c'est qu'il est pas attendu comme favori. En tout cas, les gens ne misent pas sur lui. Et c'est vrai que Greg a vécu ça un peu au début de sa carrière, en tout cas avant qu'il combatte là aujourd'hui, c'est que il n'était pas attendu pour gagner. Il combattait à l'extérieur, loin de la France, et était là pour mettre en valeur les gars. Et donc, s'il gagnait, ça allait être une surprise. Là, l'événement était fait pour lui, le matchmaking était fait pour lui, avant, je l'espère, moi, des combats qui seront un petit peu plus disputés pour Greg Hemma. Mais il faut y aller crescendo aussi, je le rappelle, c'est 17 ans d'absence pour lui. Donc voilà, donc en tout cas, face à un tel adversaire, fallait qu'il explose. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, enfin vraiment, si ça avait duré, quand je dis pas en 5 secondes, mais vous voyez ce que je veux dire, il fallait que ce soit à sens unique, c'est à sens unique. Maintenant, pour Greg, je pense que pour son prochain combat, voilà, soit vous mettez un gars qui est dans l'âge de Greg MMA, soit quelqu'un qui présente une grosse expérience, qui peut être plus jeune mais qui a une grosse expérience, mais en tout cas quelque chose qui sera un petit peu plus équilibré. Ça peut même être quelque chose d'assez exotique. Quand je dis exotique, c'est qu'il y avait eu le face à face avec Ibra TV. Pourquoi pas faire ce combat-là, parce que c'est vrai qu'il s'était déjà affronté. C'était full lutte, je crois, ou en tout cas full grappling. Pourquoi pas faire la revanche en MMA? Moi, ça m'intéresserait. Et voilà, c'est quelque chose où je veux pas que moi, Greg, il soit mis face à... Enfin, qu'il serve de rampe de lancement à quelqu'un d'autre. Quand je dis ça, je veux pas que l'Hexagone le mette face à un gars qui a des aspirations UFC ou quelqu'un qui a même des aspirations pour avoir le titre d'Hexagone MMA. Non, aujourd'hui, Greg, faut qu'il soit un petit peu dans ce qu'est Jake Paul aux États-Unis. Donc vous mettez une catégorie qui est un petit peu plus sportive, mais surtout est extrêmement orientée divertissement. Pour moi, c'est là qu'il a sa place. Et à la manière de Jake Paul, il a sa place dans le divertissement, mais on voit que Greg, c'est aussi toujours un prof, hein, au-delà des vidéos qu'il fait. Donc sportivement, il y a une vraie crédibilité. Mais voilà, vous savez, il y a l'âge, il y a l'expérience, donc forcément... voilà. Mais moi, clairement, ça m'a pas dérangé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, la soirée, il y a eu 9 finishes en autant de combats. On n'était pas face à des foudres de guerre, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite carte, on va dire, estivale, qui fait bien le taf. En plus, dans un cadre, je pense que là on a tout ce qu'il fait. En plus, moi j'ai vraiment adoré de voir que à l'international, sur Twitter en tout cas, les gens ils se disaient c'est mythique de pouvoir voir ça. Ça fait vraiment un retour dans le passé. Et franchement, qu'il y ait plus d'événements comme ça, je sais pas dans quel cadre, parce que là il y avait 5000 personnes donc à Orange, mais. Je pars complètement Y parce que oui, aux États-Unis, forcément, ils n'ont pas notre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça apporte vraiment une touche qui est très 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 sympa. Et c'est vrai que si l'Hexagone ou d'autres organisations peuvent refaire des événements de ce type-là, moi j'ai toujours adoré même l'événement. Ça n'avait rien à voir parce que c'est dans un stade, mais le KSW où Saladin devait combattre pour être champ la première fois, qui était dans un stade de foot pour le coup. Toutes ces ambiances colisées, j'adore parce qu'il y a vraiment ce côté gladiateur des temps modernes. C'était vraiment dans l'imagerie du MMA il y a quelques années de ça, donc vraiment, et puis même encore aujourd'hui, il y en a certains qui disent ça. Donc non, moi ça me dérange pas du tout, au contraire, je trouve vraiment que ça c'est bien, et quand c'est joué vraiment comme ça à fond, ça ajoute quelque chose. Donc voilà, franchement, Hexagone, bonne carte, 100% de finish, donc ça c'est cool. Et puis Greg MMA, superbe entrée en matière, et puis leur championne Hexagone Strawweight qui reste la championne après une belle performance bien accomplie. Donc voilà, c'est tout pour moi, Greg MMA. On attend la suite avec impatience. Contre un adversaire, moi je l'espère, qui sera un petit peu plus à sa mesure, pour qu'il y ait un petit peu plus de suspense. Après, je sais pas en quel... ils vont y aller graduellement. Je sais pas si directement ils vont se dire, bon bah là ça y est, il nous a impressionné, on va faire le gros choc, ou s'ils vont attendre un petit peu plus longtemps. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Shout out à my sweet pea, my sweet protein. Moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sœur. See ya.